Avertissement du Seigneur. L'Inde ouvre la voie pour la marque de la bête. Une nation après l'autre. 29 mai 2017. Parole de Dieu le Père et Yeshua à sa messagère Gwendolyn Song. Ce message prophétique est intitulé La voie est ouverte pour la marque de la bête. Une nation à la fois. À mes très chers enfants qui se considèrent les enfants véritables et dévoués de Dieu. Mes enfants, dans cette correspondance issue du trône du Dieu vivant, je veux délivrer un sérieux avertissement concernant cette époque dans laquelle vous vivez et vous aider à préparer vos cœurs concernant cet événement imminent qu'est la société débarrassée de l'argent liquide. Mes enfants, si vous avez regardé les évolutions monétaires à travers le monde, vous noterez que de nombreux gouvernements sont en train de réaliser une transition vers une société sans argent liquide. Si vous examinez les décrets gouvernementaux en Inde, vous verrez que le Premier ministre a commencé le processus de suppression de l'ancienne monnaie pour une nouvelle plus moderne. Il est aussi en train de mettre en place la plus vaste banque de données que la planète ait jamais connue en enregistrant des scans de l'iris de l'œil et des empreintes digitales de 100% des citoyens indiens. Ces étapes, mes très chers, devraient faire frémir votre cœur. Pour ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer le Messie dans les jours qui vont arriver. Ceux qui vont être laissés sur terre après l'enlèvement de mes saints enfants vont faire face à la décision la plus difficile de leur vie, à savoir accepter ou refuser la marque de la bête, Barack Obama, l'ennemi du trône de Dieu. Mes enfants, ce n'est pas difficile de voir l'événement que j'ai montré à mon apôtre Jean se révéler sur vos écrans de télévision et d'ordinateur à travers le monde entier. Il y a des guerres et rumeurs de guerre, et les tremblements de terre augmentent dans divers endroits. Il y a un mal qui est en train de se déployer tel qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement des temps, et les douleurs de l'enfantement ouvrent la voie pour le roi de gloire. Je suis le roi de gloire, mes très chers. S'il vous plaît, continuez de soutenir vos proches ainsi que vos amis et voisins. Je les délivrerai s'ils ont un cœur qui accepte d'entendre la vérité. Je serai un ami fidèle pour ceux qui ont pris le temps de s'asseoir en ma sainte présence et ont appris à me connaître, moi et mon Père. J'utiliserai tous les moyens possibles pour que toutes les familles de mes saints enfants parviennent jusqu'à la ligne d'arrivée de la foi. Cependant, je ne forcerai personne à m'aimer, mes très chers. Je ne contraindrai personne à aimer un Dieu qui n'a fait qu'aimer et bénir ses enfants. Même lorsque les occupants de la terre étaient mes ennemis, je suis quand même descendu de mon trône sacré pour être l'agneau sacrificiel pour ce monde déchu. Sans la vertu, personne ne peut voir Dieu. Et sans la repentance, personne n'a d'argument valable sur lequel s'appuyer une fois arrivé devant mon Père et moi. Aujourd'hui est un jour parfait pour mémoriser Jean 3,16, si vous ne l'avez pas encore fait, mes très chers. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique engendré pour que quiconque croit en son nom ne périt point mais ait la vie éternelle. Proclamez ce verset, mes très chers. Proclamez-le encore et encore et encore à ceux que vous aimez. Parlez-leur de vie, parlez-leur de rédemption. Jeûnez et priez, et comprenez l'importance de vos prières d'amour pour eux. Je veux également que mes saints enfants soutiennent leur président Donald Trump et sa famille pour leurs décisions prises quotidiennement pour les États-Unis d'Amérique. Ils ont besoin d'un déluge de prières de votre part et d'être couverts par mon saint sang. Les prières ferventes des enfants vertueux de Dieu soulèvent des montagnes. Elles sont très puissantes, mes très chers. Ne l'oubliez jamais. Dieu le Père dans le Seigneur Yeshua.